C'est pour donner au suivant l'une des marques de commerce de cette entreprise qui est vraiment à découvrir, tout un fumoir. On est avec le propriétaire, Ron Weiser. Bonjour, Ron. Salut, Alex, ça va? Merci. Ben oui, certainement. Comment est venue tout d'abord l'idée de lancer cette entreprise? C'est intéressant. Ça faisait plusieurs années que j'étais impliqué un peu dans le sport de mes enfants, que ce soit au civil ou à l'école. On faisait des levées de fonds, des barbecues, puis j'ai tellement aimé ça. J'ai dit, il doit y avoir moyen de faire une business avec ça. Ben donc, un peu avant la pandémie, là, je pense. Oui, en fait, l'idée m'est venue peut-être un an avant, et j'ai parti mon entreprise en avril 2020, en plein milieu du début. Donc, on parle d'événements auxquels on peut se déplacer, quoi? Sportifs, festivals? Oui, ça peut être des repas de fin d'année, par exemple, pour donner des méritages. Ça peut être pendant des tournois, des événements. Je fais aussi des événements corporatifs, évidemment, puis des événements privés. Ça, et je pense qu'on peut, dans cet engin-là, faire cuire à peu près tout type de viande pour les carnivores. Là. Oh, ben c'est assez spacieux, je peux te montrer ici. Oui. Il y a pas mal de place. Alors, oui. On met des légumes des fois aussi? On met des légumes. Ah oui? Les légumes vont là-dedans. OK, OK. Oui, les légumes vont là-dedans. J'aime ça faire des salades avec des légumes fumés. Alors, oui, c'est ça. Donc, c'est possible. Et puis, évidemment, on se déplace, c'est clé en main, on arrive dans les événements, on n'a qu'à vous contacter. C'est ça. Mais ce qui est assez particulier, c'est que vous redonnez là, à des causes, à des, par exemple, l'OSBL. C'est ça. Je crois jusqu'à 15 %. Ça peut aller à 15 % des recettes. Ouais. Ou, par exemple, je peux faire un prix à l'organisme, puis eux peuvent vendre au prix qu'ils veulent. Des fois aussi, je donne des chèques cadeaux qui sont très populaires pour des encans silencieuses ou pour des tirages. Okay. Alors, et pourquoi la cause sportive particulièrement vous tient à cœur? Ben, c'est ça, j'ai été bénévole longtemps dans le sport, surtout dans le patinage de vitesse. J'ai été président de Patinage de vitesse Québec pendant 6 ans. Un entraîneur passe quasiment plus de temps avec un enfant que ses professeurs d'école. Il va peut-être marquer, il ou elle va marquer l'enfant. Puis ça prend de l'argent pour que ces gens-là soient bien formés, bien instruits. C'est une cause qui est très importante pour moi. Puis c'est sûr que par la suite, j'imagine que depuis que vous avez mis de l'avant votre entreprise, que vous donnez jusqu'à 15 % de vos recettes, j'imagine que vous avez vu des associations sportives qui ont pu bénéficier de des profits, qui ont pu, grâce à vous, de bonifier auprès des gens. Tout à fait. Mais là, ça commence tranquillement parce que c'est comme un peu le premier vrai été post-pandémique. Mais j'ai déjà été en contact avec plein d'entreprises qui adorent la formule. Puis j'ai quand même assez de booking là, cet été. C'est ça. Puis vous-même, si vous êtes un père, vous l'avez dit, vous avez des enfants, vous avez accompagné vos propres enfants durant plusieurs années, ou peut-être c'est peut-être toujours le cas dans des associations sportives. Donc, à même de savoir que ça coûte très, très cher pour, tout à fait. Pour les jeunes et les parents, évidemment. Là. Tout à fait. Puis je réitère l'importance d'avoir des entraîneurs pour bien encadrer les jeunes. On entend plein de choses aussi dans plein de sports. C'est ça. Alors, le plus professionnel qu'on peut être, le mieux que c'est, ça prend de l'argent pour faire ça. Ouais. Alors, Et tout un fumoir, moi j'aime beaucoup l'espèce de logo, puis aussi l'espèce de flamme qui est au-dessus du U, mais tout un fumoir, pourquoi c'est… parce que je trouve que c'est un beau branding, c'est une belle marque de commerce, pourquoi ce nom-là? Ouais, c'est parce qu'il est gros. Oh, oui, c'est ça, oui, c'est ça. Alors, c'est tout un fumoir. Ben, parfois, il y avait peut-être une stratégie derrière. C'est un peu ça. C'est de mettre le mot fumoir de l'avant. La nourriture, c'est de la nourriture au sud des États-Unis, que ce soit du porc effiloché, du brisket, des côtes levées. Alors, très simple d'entrer en contact avec vous. On peut le faire sur les réseaux sociaux, sur les tribunes, sur plusieurs tribunes. Réseaux sociaux, oui, Facebook, Instagram. Sur mon site web, il y a un petit formulaire de demande. Ça marche très bien. Je reçois beaucoup de demandes via le site web. On met son nom, son numéro, la date de son événement, puis je rentre en contact avec vous. Et vous débarquez donc avec ça. Puis évidemment, ça prend quelques heures là, avant de pouvoir faire cuire. Alors, on parle quoi, d'une 5 à 10 heures? Quoi, ça dépend c'est quoi, mais effectivement, je fais peu de choses qui prennent moins que 6 heures. Okay. J'aime ça. Ben oui, je comprends, puis c'est une passion. Puis au-delà de ça, est-ce que pour vous, il y a comme un talent culinaire, j'oserais dire, ou quelque chose qui s'est développé? Est-ce que ça vous a poussé aussi à faire des recherches sur le plan pour toujours mieux apprêter vos viandes? Puis, oui, pour mes recettes, ça fait des années là, que je fais de la recherche, je vais chercher quelque chose ici, là, je mets ça ensemble. Ça fait longtemps. Aussi. Je faisais des choses horrifiques il y a 5 ans, maintenant, je ne les fais plus. C'est bon, vous avez fait vos tests, alors on est sûr que ça va être
très, très, très bon. Oui. Si on veut y assister, alors tout un fumoir, tous les, évidemment, les moyens pour rentrer en contact avec M. Ron Weiser sont au bas de l'écran. Merci d'être passé nous voir. Merci beaucoup. Merci, puis, Alex. On invite les gens sur le territoire Lavalois. S'il y a des associations, par exemple, des gens qui ont une passion pour le baseball ou pour le soccer. Plus tard cette année, on a besoin de financer, par exemple, des tournois ou autres événements. Ça. On pense à Ron Weiser qui donne au suivant. Merci beaucoup à vous. Merci. Bonne journée.